Si vous souhaitez faire un retour aux études ou même répondre aux conditions d'embauche d'un employeur, les tests d'équivalence de niveau de scolarité, qu'on appelle également le TENS, pourraient vous aider. Qu'est-ce que le TENS? Le TENS est composé de 7 examens à choix multiples qui évaluent vos connaissances générales dans le but d'obtenir une attestation d'équivalence de niveau de scolarité, aussi dit AENS, délivrée par le ministère de l'Éducation du Québec. Il est important de savoir que seules les personnes ayant 16 ans et plus au 30 juin précédant l'inscription peuvent passer le TENS. Obtenir votre attestation d'équivalence de niveau de scolarité peut vraiment vous être profitable. Vous devenez admissible au diplôme d'études professionnelles, aux attestations d'études professionnelles, ainsi qu'à certaines attestations d'études collégiales. De plus, vous pourriez satisfaire aux exigences de certains employeurs qui demandent le diplôme d'études secondaires ou son équivalent. Quels sont les 7 examens et comment ça fonctionne? Pour obtenir votre attestation d'équivalence de niveau de scolarité, vous devez réussir 5 examens. Les 2 examens de français obligatoires, grammaire, compréhension de texte, ainsi que 3 examens parmi les 5 suivants, anglais langue seconde, mathématiques, sciences humaines, sciences économiques, sciences de la nature. Chaque examen est chronométré et dure entre 90 et 150 minutes. Il y a 35 ou 40 questions à choix multiples par examen. Notez que la note de passage pour chacun des examens est de 60 %. Il est important de savoir qu'à partir de la date du premier examen, vous avez 6 mois pour réussir les 5 examens requis pour obtenir l'AENS. En cas d'échec, sachez que vous avez le droit à une reprise par examen. Par contre, il est obligatoire de refaire les examens au sein du même centre de service scolaire. Si vous échouez 2 fois l'un des tests de français ou si vous n'êtes pas en mesure de réussir les 3 examens optionnels sur 5 demandés, vous devrez attendre une année complète avant de pouvoir repasser le TENS. Et si au bout de 6 mois, vous n'avez pas complété la démarche, vous devrez attendre 1 an avant de reprendre l'ensemble des examens, même ceux réussis au premier essai. Le TENS vous intéresse et vous avez envie de passer à l'action? Inscrivez-vous à la séance d'information obligatoire au 450-670-3130 au poste 2710. Bon succès!